Bonjour à toutes et à tous. Vous voici en compagnie de Grégory Rébera, qui est le motoriste du GMT 94, également chef mécanicien du pilote du championnat du monde Supersport. Et on va vous parler d'un partenaire important que nous avons depuis plusieurs années, depuis notre arrivée en mondial. En fait, nous avons Domino, qui est un fabricant de shifters, de poêles de gaz. Mais ce n'est pas si simple que ça, et la raison pour laquelle c'est Greg qui va vous l'expliquer, c'est qu'il y a forcément la connexion avec le moteur. Donc par exemple sur la Superbike, on a ce système de tirage, ce qu'on va appeler le ride-by-wire, donc une poignée de gaz entièrement électronique, c'est-à-dire sans câble de gaz, c'est ce qu'on utilise sur la Superbike. Donc pourquoi Domino? Parce que le feeling et le pourcentage d'ouverture, enfin, la distance pour ouvrir à pleine puissance est un peu différente de l'origine. Sur la Superbike, on a aussi le levier d'embrayage avec un déport qui est différent de l'origine pour permettre de trouver le point de patinage plus facilement. Donc, les leviers Domino sont aussi rabattables en cas de chute. Ça permet d'éviter trop de dégâts et parfois que le pilote puisse repartir rapidement, on va dire, si besoin. Pour la 600, pour la Super Sport, c'est un petit peu différent parce que c'est encore des poignées de gaz avec des câbles. En revanche, ce qu'il propose, c'est différents tirages. Les plus courants, il y a le tirage normal, le tirage rapide et le tirage progressif. Donc, il suffit juste de changer cette pièce, voilà, à l'intérieur de la poignée de gaz en fonction de la demande du pilote, du comportement du moteur ou parfois du circuit. Le dernier produit, le shifter, donc up and down, c'est un capteur qui fonctionne par étirement ou par compression, ce n'est pas un capteur de force. Et on utilise ce capteur, donc on l'a développé avec Domino, je crois, début 2020. Et maintenant, c'est commercialisé, je crois, sur une bonne partie des machines d'origine. Et c'est les shifters qu'on utilise, nous, sur la 600, pour le championnat du monde Supersport. Pour les non-motards, réexpliquer que le shifter, c'est un système qui permet aux pilotes et aux motards aussi aujourd'hui, de passer les vitesses sans couper les gaz. C'est grâce à des micro-coupures électroniques, c'est bien ça? Oui. Mais également le blipper, c'est nouveau. Ça permet de rétrograder sans utiliser l'embrayage. Donc ça donne un confort de pilotage, une aisance qui est vraiment intéressante et qu'on utilise maintenant de plus en plus sur les machines de route.